Bonjour à tous, c'est Edgewan et aujourd'hui on se retrouve pour parler, donc comme le titre l'indique, de sûrement la fin des séries de chez Nvidia. Voilà, donc parce que, bah, enfin, la fin pour, je pense, les gamers et pour les gens qui travaillent sur leur PC, pour l'instant non, mais peut-être à l'avenir oui. Donc voilà, il y a des choses différentes qui vont arriver. Donc voilà, donc on va un peu parler de tout ça parce que justement là, avec la génération 3000, Nvidia pour moi a un peu tué le marché du SLI. Donc je vais vous parler de ça. Donc déjà, en fait, pour vous expliquer pourquoi je parle de ça, bah, pourquoi en tout cas pour moi Nvidia a tué le marché du SLI, c'est parce que sur les générations là des 3000, eh ben, il n'y a que la 3090 qui est compatible en SLI. Et la 3080 ni la 3070 sont compatibles. Donc on ne peut pas faire de SLI avec. Donc ça veut dire quoi? Alors déjà c'est très simple, je pense déjà l'explication, c'est parce que entre la 3080 et la 3090, il y a à peu près, je crois, 20% d'écart, et qu'ils avaient dit quelque chose comme ça environ. Peut-être un petit peu plus sur les logiciels 3D, ça serait possible, parce qu'on en voit les benchmarks sur Blender, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus, mais bon, c'est pas, ça dépendra des scènes. Parce que, en fait, le truc, c'est que pourquoi ils font ça? Parce que en général, c'est vrai qu'on travaille souvent, comme j'avais quand là dans une autre vidéo, là je vous expliquais comment monter un PC gamer, je vous ai dit. Comme quoi, le plus important quand on joue sa carte graphique, quand on travaille dessus, c'est la VRAM, donc la mémoire, la RAM de la carte graphique. Parce que c'est ça qui va définir ou non si la carte pourra faire la scène. Peu importe le temps que ça prendra, mais s'il n'y a pas assez de VRAM, on appelle ça comme ça, la scène ne pourra pas se faire. Donc, le truc, c'est que vu que la carte, elle vaut 1500 euros, là, on avait le choix, par exemple, de prendre la place 3070. Ça faisait le même prix. Et on avait la même VRAM, plus on avait plus de cœur. Ou alors on prenait ben si on prenait deux 3080, le problème c'est qu'il manquerait 4 Go de RAM pour la égalité. Mais là, si on prend ça, ça fait la même chose. Parce que 8 x 3, ça fait 24. Donc là, on serait pareil, et en plus avec plus de coups à cœur. Donc c'est-à-dire qu'on serait, au final, on serait gagnant. Parce qu'on aurait 3 cartes, même si je crois que ça fait à peu près 15 000 coups à cœur, hein, quelque chose comme ça environ. Donc là, contre 10 000, donc là, on serait vraiment bien. Donc, pourquoi les gens évitent de faire ça? Parce que si on fait ça, ben, on n'achète plus de, on n'achèterait pas à 3090, étant donné qu'on peut en avoir pour le même prix, on peut avoir mieux. Donc déjà, la 3090 n'existera plus. Donc je pense qu'à mon avis, c'est en partie pour ça que malheureusement, sur leur génération, je pense là en PR, eh ben, on disait que l'écart n'est pas assez énorme entre les cartes graphiques pour faire ça, parce que quand on prenait des fois entre la 2080 Ti et la 2080, il y avait quand même beaucoup plus d'écart entre les deux là, alors que là il y en a un peu moins, je crois. Parce que là il y a que 20%. Parce que là, en fait, c'est vrai, en gros, si là on compare à la 3090 et la 3080, il y a que 20% d'écart environ. Bon, on va dire ça comme ça, mais bon, c'est un peu différent parce qu'il y a plus de VRAM. Donc en termes de coût d'accord, en termes de puissance pure, je suis d'accord, mais la 3080 pourra pas non plus faire tous les rendus que la 3090 pourrait faire, juste à cause de la VRAM. Mais à cause de ça, ben, le problème c'est que les gens ont été plus tentés de faire des SLI avec la 3080 au lieu de prendre une 3090. Même s'il manquerait 4 Go. Il y en a qui auraient pris le pari, moi je leur ai déconseillé. Donc, et ensuite aussi, pourquoi ils ont fait ça? Parce que de toute façon, en jeu vidéo, voilà, dans les jeux vidéo, le SLI, c'est pas un truc qui marche super bien. Voilà, c'est pas. Bah, depuis maintenant, je sais qu'avant, dans les années, quand c'était les époques des 660 encore, je sais qu'il y en avait beaucoup qui faisaient des fois des SLI, les perfs faisaient augmenter à fond. Là, maintenant, de nos jours, voilà, déjà, il n'y a pas énormément de jeux qui le prennent. Des fois, ça bug, des fois, soit ça bug, soit des fois, on gagne rien, donc ça vaut pas le coup. Donc c'est pour ça que Nvidia, à mon avis, ils disent les gamers n'ont pas besoin de deux cartes graphiques, et en général, c'est vrai qu'il n'y a aucun jeu qui a besoin d'autant de puissance, quoi, parce que si. Les seuls qui auraient besoin de puissance, c'est ceux qui les créent. Donc voilà. Ensuite, le problème, c'est que là, ils ont dit que Nvidia a dit que c'est vrai qu'il y a beaucoup de logiciels qui prennent en compte le BGPU, donc sans forcément de faire des SLI, mais ça, alors, c'est un peu. Ça dépend des logiciels, parce que. En tout cas, moi, le logiciel que j'utilise, c'est vrai qu'ils mettent multi-GPU, mais il n'y a pas tous que sans SLI, toutes les cartes fonctionnent en même temps. Parce que c'est vrai que maintenant, en fait, il y a certains logiciels qui mettent à jour pour faire un rendu que ça gère justement le multi-GPU, mais ils ne le font pas tous. Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'ils pourraient dire, et nous-mêmes, des fois, on ne le sait pas. Des fois, on ne le sait pas. Et là aussi, Nvidia a aussi parlé que maintenant, il y a beaucoup de logiciels justement qui ont plus besoin de SLI pour pouvoir gérer deux cartes graphiques. Alors ça dépend des logiciels parce qu'il y en a, c'est vrai que ça fonctionne.
Et à domicile, je sais que, en fait, deux cas graphiques, par exemple, on va dire, vous faites un rendu d'image, et j'avais vu que, alors je sais plus c'est lesquels, hein, franchement, mais j'avais vu, c'est un article que j'avais vu. Je crois que c'était 3DS Max, mais je suis pas sûr à 100%, c'est pour ça que je préfère ne rien dire que dire une bêtise sur le monde du logiciel, mais je sais que deux cartes graphiques, en fait, justement, pour faire un rendu d'image, je sais que deux pouvaient faire... Bah, chacun faisait la moitié de l'image, donc ça, il y en a qui pouvaient faire ça. Malheureusement, après, les logiciels, il faudra voir après, par exemple, le logiciel populaire que tout le monde utilise comme Blender, ça, je sais qu'en SLI, ça marche, mais après, à voir, est-ce qu'en multi-GPU, sans mettre de SLI, ça fonctionne aussi, ça reste à voir. Et aussi que de toute façon, que mais le fait qu'il n'y a que 3090 qui supportera ça, c'est qu'à mon avis, il compte vraiment qu'il y ait l'effet que pour ceux qui font de la rendu 3D. Et on verra si tous les logiciels justement sont comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de SLI pour gérer le multi-GPU. Ça pourrait être un gain de temps, voire même, peut-être même faire des simulations avec les cartes graphiques, même si ça n'y a pas encore assez de RAM. Mais voilà, peut-être qu'il y a des choses comme ça qui vont changer, ça on ne sait pas. Parce qu'il y a encore des logiciels qui utilisent le CPU. Mais en fait, l'NVIDIA, ils viennent de faire un truc qui n'est pas super cool pour les, pour tous les, on va dire, les gens qui travaillent dans le monde de la vidéo, ou de la 3D, pour tous les indépendants. Parce qu'avant, dans la génération 2000, là, eh ben, au final, on pouvait par exemple avoir un bon PC, voilà, faire des bons trucs. Si on mettait, on pouvait mettre plusieurs cartes graphiques, voilà, on apprenait, on en mettait deux, on en mettait trois, par exemple des 2070, ça pourrait faire quelque chose de sympa. Maintenant, là, si une vidéo oblige de faire des scellés avec les 3090, bon, hormis l'encombrement, vu la taille des trucs, et en plus, je pense que moi, si j'étais vous, je serais plus avec des custom, hein, parce que vu que ça sent un peu moins épaisse, parce que la taille des 3090 de la Founder Edition, alors vraiment un PC avec un gros boîtier, si vous voulez pas qu'elle dépasse du boîtier. Hein. Mais en faisant ça, justement, en fait, c'est-à-dire que là, on va être obligé d'acheter les 3090 par paire, et là, ça fait comme déjà 3000 euros, c'est plus la même chose. Ça fait le prix d'une Titan, quoi. Alors que la Titan, elle était utilisée que par les très gros studios. En général, il y en a qui faisaient des séries avec ça, mais c'était quand le PC valait 30 000 euros. Maintenant, là, si on met déjà 3 000 euros dans un carte graphique, c'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez un PC qui tient la route, genre avec un Threadripper plus la RAM qui va avec, ça voudrait dire que là, vous en aurez au moins pour facile 8 9 000 euros un PC. Facile. Alors qu'avant, vous pouvez s'en tirer pour aller 5 6 000. Donc ça, je trouve ça un peu dommage, c'est-à-dire qu'en gros, ça en fait, ça va pénaliser vraiment tous les gens qui veulent faire de la 3D propre en indépendant. Ou alors des gens qui n'ont pas forcément un budget énorme. Ça va pénaliser tous les gens-là. Donc ça, c'est un peu dommage. Et après, avoir en plus la... En fait, la seule truc qui pourrait, on va dire, nous sauver, entre guillemets, ce serait que la quadro, là, qu'ils vont faire, parce que normalement, il y a une seule quadro qui est prévue, là, sur la gamme Ampère, qui aurait 48 Go de RAM. Faudrait voir le prix. Si, mais les connaissant Nvidia, je sens qu'elle va coûter plus cher que 2-3090. Parce que si, par exemple, on prend une Quadro, là, parce que la Quadro, elle sera à peu près basée sur la même puce que la 3090, et à peu près le même nombre de cœurs. Plus, c'est à 48 Go de RAM. Parce que si, par exemple, elle est moins chère que 2 cartes graphiques, que 2-3090, et ben, les gens achèteront celle-là et pas la 3090. Parce que là, même si par exemple on achète 2-3090, ça aura plus de cœur, mais ça, c'est pas trop grave encore. Le plus important sera la RAM. Donc, je pense qu'elle va au moins coûter 5 000 euros, histoire de mettre tout le monde d'accord. Ou voire 4 000, comme ça, ils sont sûrs qu'on s'amusera pas à faire ça. Mais c'est pas qu'Nvidia, c'est un peu dommage, parce que là, ça va pénaliser quand même, je pense, beaucoup de monde. Là, les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais quand vous allez avoir là les gens qui voudront faire la suite, et ben en fait, vous allez avoir une carte graphique qui sera plus rapide, mais qui pourra peut-être pas forcément faire plus de choses. Et c'est le truc le plus frustrant en 3D, c'est de pouvoir, on va dire, avoir la capacité de savoir faire des belles choses, mais de pas pouvoir faire les rendus derrière. À moins de faire des rendus en ligne, voilà, de les faire en ligne, mais dans ce cas, ça sert à rien de payer des cartes graphiques super chères. Et en plus, le pire qui est un peu dommage, c'est que là, il y avait des rumeurs, donc c'est peut-être que des rumeurs, comme quoi il y aura à l'avoir des versions Ti, par exemple, de certaines cartes, là, par exemple, la 3060 Ti voulait sortir, ou d'autres, ou peut-être qu'il y aura des versions super, comme il y a eu, avec plus de RAM. Par exemple, soit 3080 et 3070. Alors pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent très bien que les gens, ils vont pouvoir. Parce que si par exemple, on fait une 3000, je sais pas, une 3080, par exemple, je sais pas, avec 12 Go de RAM, on va dire, allez, à 100 ou 200 euros de plus, allez, 100 euros de plus par exemple, même 200. Et ben les gens préféreront mettre acheter deux 3080 qui coûteraient peut-être 200 euros plus cher, mais qui auraient le même nombre de RAM qu'une 3090, plus, et en plus, ils auraient les cœurs en plus, donc ce sera plus rapide. Et ça, tout ça, en fait, tout ça, c'est Nvidia, c'est calculé.
Donc ça qui est un peu dommage, c'est que là on voit vraiment que c'est que leur business il est vraiment bien ancré et que malheureusement le prix plus ça augmente et les écarts de prix en fait nous ce qu'on paye quand on achète les cartes graphiques chez eux c'est pas les CUDA cœur, limite c'est la RAM quoi. C'est ça qu'ils nous font payer en gros. Donc c'est dommage, alors moi je vais vous dire pourquoi c'est vraiment dommage, parce que je trouve que plus on avance déjà, plus dans l'échelle de la 3D, je trouve qu'ils sont. On peut plus facilement faire des trucs qui se rapprochent de ce qu'on peut voir au cinéma avant ce qui était réservé aux gros studios. Plus ça avance, plus on est aidé, plus les logiciels sont plus intuitifs. Mais malheureusement, derrière, on n'a pas le matériel qui suit, donc c'est peut-être pour ça qu'il restera toujours la différence entre le monde du cinéma, bah, le monde, on va dire, voilà, des ceux qui ont le budget et ceux qui l'ont moins, à cause de ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment investir, et si vous voulez vraiment faire des choses comme ça, franchement, ce qui serait pour être pas bête à cause de ça, ce serait justement de, si vous voulez vraiment en plus de RAM et tout ça, c'est de faire des séries avec la série des 2000, hein. Parce que là, en occasion, je veux dire, si vous avez moyen de trouver des 2080 Ti à 500 euros, eh, vous en achetez. Regardez, vous en achetez 3 ou 4, ça fait combien? On va dire, on achète, si on trouve 3 à 500 euros, voire 600 euros, ça ferait presque le prix de la 3090. Et vous aurez plus de cœur et plus de verre. Donc réfléchissez à ça, franchement, ça, moi c'est un truc que je vous conseille. Comme ça, au moins vous ne serez pas embêté. Et puis en plus, les cartes graphiques comme ça, on en trouvera toujours nos cases, hein, peu importe le prix sera pas toujours, sera plus trop cher. Donc ça peut être un truc qui pourrait être pas bête. Histoire de pas être bloqué avec les 3090 qui vont coûter une blinde, faire tourner en plusieurs, plus, et en plus le pire ça va être la lime, parce que je sais qu'en overclock ils avaient dit que quoi elle peut consommer je crois jusqu'à 400 watts ou voire 500 à 550 je crois watts. Bon il faut voir vraiment s'il y a une grosse différence de gain en overclocking, si on a une ça vaut le coup, mais si 500 watts franchement, là la lime qu'il va falloir, vous nous en mettez deux, il va falloir 1000 watts, il va falloir des limes de 1500-1600 watts facile, parce que ça, plus le processeur et puis la RAM et tout ce qui va avec, et le disque dur, même si c'est pas le pire, mais déjà le processeur qui, par exemple, un trait tripeur, ça consomme 200 watts. Donc à pleine charge et tout, ça va coûter cher en alim, mais c'est pour ça que ça continue, bientôt, il va falloir mettre des alim de 2000 watts. Donc voilà, donc c'est pour ça que tout ça, le monde, on va dire, là, est en train d'évoluer, et malheureusement, on va dire, ça, pour les gamers, c'est pas rare, mais pour le monde de la 3D, ça risque d'être un peu plus compliqué de faire des choses, on va dire, à prix raisonnable. Mais bon, c'est comme ça, on verra bien comment ça évolue. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont arriver. Peut-être AMD va tuer le coup, peut-être Nvidia va sortir d'autres cartes entre temps pour exploiter à fond leur génération ampère et peut-être que ça passera mieux. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des questions ou autre chose, voilà, ou même s'il y a des choses que par exemple j'ai pas dit, que vous avez ou des infos, donc dites-le moi dans les commentaires. Voilà, c'est toujours intéressant de s'entraider entre nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.